Alors salut à tous, comme prévu, détection dans ce champ de vigne. Donc j'ai quand même fait 3-4 allées à hein, passer. Hein. Non, plus que ça, 1, 3, 4, 5, 6, 6 allées, rien trouvé, mais là il y a un petit son. Ouais, je pense que. Ouais, j'espère qu'il y aura quand même quelques sons parce que c'est difficile, je pense, de trouver quelque chose ici. Mais en tout cas, c'est merveilleux, regardez. Alors les propriétaires, ils sont en face, là-bas. En face de moi, je discute avec eux, là c'est leur voiture, super sympathique. Donc là j'ai un premier son. Ça se trouve là. Donc on va regarder de quoi il s'agit. En tout cas, je suis très content. Une balade et en plus une détection. Donc c'est cool. C'est vraiment tranquille. C'est la chance. C'est un peu la chance, c'est bien. C'est sorti, c'est pas souvent qu'on trouve le propriétaire directos. Alors, c'est où? C'est où tout ça? Ah, ouais, regardez. Non. Alors, de quoi il s'agit? Ah, le son il est bien aigu. Alors, il s'agit de. Je ne sais pas. Peut-être une médaille. Je sais pas, on va nettoyer. En tout cas, on va le nettoyer. On va y cracher dessus et on va bien regarder ce que c'est. Allez, je vous reprends tout de suite. Bon, j'ai craché dessus, hein, mais je sais pas si vous voyez bien. Je nettoie. Mais on voit rien du tout là. Malheureusement. Malheureusement. Trop usé. Malheureusement, c'est trop usé. Ah, c'est dommage. Hein. Alors, à votre avis, c'est quoi? Un bouton, une attache, avec deux gros fils derrière, là. Ouais, ça se pourrait que ce soit un bouton. Hein. Ah bon, allez, on continue. Hein. Allez, au prochain son. À tout à l'heure. En tout cas, je peux vous dire, il fait vachement bon. C'est chaud. On est dans les 22 degrés, là, déjà. C'est vraiment, c'est cool. Hein. Allez. On reprend l'activité de la détection. Prêt pour une aventure. Et à tout de suite. Alors là, un nouveau son. Et c'est pas n'importe quel son. Allez, à 10-15 cm du sol. C'est pas n'importe quoi. Ça se trouve là. Au bout de mon doigt. Et ça m'a l'air d'être un bouton. Ça m'a l'air d'être un bouton. Ouais. Regardez-moi ce magnifique bouton. S'il veut bien faire la pointe, c'est un bouton de la marine, on dirait. Ouais, de la marine. Alors, je ne sais pas ce qu'il fait ici, mais en tout cas, c'est un joli bouton que je vais faire voir au propriétaire. Bon, je ne sais pas s'il voudra. Hein. Bon, en tout cas, c'est une belle trouvaille que je vais poser sur une pierre. Voilà. Voilà, et admirer ce joli bouton, magnifique bouton de marine, c'est agréable, c'est une belle surprise en tout cas, et je suis bien content de trouver quelques sons au bout de 6 allées hein, quand même, hein. Ça fait chaud, hein. Allez on continue. Là, il faut vous dire que les mecs ils sont courageux quand même, parce que c'est pas évident, hein, toute la journée en plein soleil là. Et en plus sur des vignes en hauteur, dans les montagnes, c'est chaud quand même pour eux. Hein. Ils sont vraiment courageux. Et franchement, franchement respect. Hein. Respect pour toutes ces personnes qui s'occupent des vignes. Ils n'ont pas un boulot facile. Franchement, respect. Allez, on continue. Là-bas, ils brûlent les ronces en fait. Ils font le nettoyage. Voilà. Ils allument des feux, puis ils font le nettoyage, ils brûlent les ronces. Regardez comme c'est assez escarpé, la belle petite montée qui m'attend là. Voilà, c'est cool, hein. Franchement c'est cool. Hein. Allez, au prochain son. Voilà, un nouveau son, hein. Après quasiment une allée entière. Hein. Et ça se trouve là. Merde, c'est où? Ouais, là, ici, là. Je l'ai vu, là. Voilà, ça se trouve là. Et c'est quoi? Apparemment c'est une monnaie.
Ouais, bah, c'est pas une monnaie ancienne. Ouais, je viens de le voir tout de suite à l'instant. Alors, ça se pourrait que ça soit. On va le mettre sur une pierre. Tranquillou. Alors, oui, bah, c'est 20 centimes d'euros. Elle est bien abîmée quand même. Je vais y cracher dessus. Et on va nettoyer ça. Tranquillou. Mon filou. Voilà. Un petit coup de nettoyage. C'est bien 20 centimes d'euros, regardez bien. Voilà, je nettoie comme ça. Hein. Avec la salive, désolé, ça fait dégueulasse. Hein. Mais bon, on fait avec les moyens du bord. Je ne ferai pas ça sur une pièce ancienne. J'attendrai que ça sèche. Mais comme la terre, elle est vachement sèche ici, là, plus ou moins. Voilà, 20 centimes d'euros. Bonjour. Bonne balade. Hein. Ouais, il fait chaud là. Il fait au moins 22. Hein. Ah ouais. Ah, c'est l'été. Hein. Bah là, ouais, un. Ouais, ça commence. Hein. Oui, Les bons jours arrivent. ça commence à être frais, quoi. Ouais. Oh, mais de toute façon, il pleut en montagne. Hein. Il pleut en montagne, hein, de Ah toute façon. Ouais, ouais. ça. Un jour, c'est un soleil, un jour, ce sera de la flotte. Hein. Bon, allez, bonne balade alors. Merci, vous aussi. Un promeneur. Il fait une petite balade dans la montagne. Voilà. Allez, voilà pour la 20 centimes d'euros. Allez, au prochain son. Vous voyez, il brûle les ronces. Hein. Apparemment. Bon, allez, on revient nos moutons. T'as un son pourri. Eh ben oui, c'est bien un son pourri. C'est un restant de cartouche, quoi. Donc, pas le top, hein. Il n'y a pas grand chose, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est une belle détection dans un bel endroit. Et on continue jusqu'au prochain son. Allez, à tout à l'heure. Alors, un autre son, allez, à 5-10 cm du sol. Et une autre belle découverte. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y en a des jolis. Ça se trouve là au bout de mon doigt. Mais je peux vous dire tout de suite que c'est un. Eh ben, c'est un bouton, un beau bouton que je vais mettre au soleil. Voilà, regardez, un beau bouton qu'on va nettoyer. Je suis presque à un autre bouton de marine. Ça fera le deuxième. Regardez, il est magnifique. Je vais le nettoyer un peu plus et puis je vous reprends. Allez, à tout de suite. Bon, j'ai pas envie de l'abîmer, mais en tout cas, regardez ce magnifique bouton de marine, sans doute. Ça fera le deuxième trouvé dans ce champ de vigne. Et c'est fort agréable de trouver ce genre de petite découverte. Voilà, donc on continue et au prochain son. Bon voilà, hein, j'arrive comme prévu, comme j'ai demandé au monsieur, au propriétaire, à peu près 2 heures. Je suis à 2h15. Bon, j'ai dépassé un quart d'heure, c'est pas cool. Hein. Mais je voudrais pas abuser d'hospitalité. Donc on va regarder toutes les découvertes qu'on a fait en 2h15 dans cet merveilleux endroit. Magnifique, franchement, magnifique. Allez, on regarde. Déjà, on va commencer par des petites merdouilles, hein, ça. Ah, on sait ce que c'est. Ah. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Alors là, franchement, j'en sais rien du tout. Il n'y a pas de dessin. Alors s'il y a un dessin, il est fatigué. Et bien, on dirait qu'il y a un petit visage là. Regardez, au bout de mon pouce, c'est pas sûr. Je vais essayer de le nettoyer bien. Alors je sais pas ce que c'est par rapport aux attaches. Ouais, ça peut-être un truc de publicité ou je sais pas quoi. Ouais, on verra ça en nettoyage hein, quand je reprendrai. Alors ce joli premier bouton de marine apparemment. Alors on va donc savoir ce qui pourquoi ils étaient là. Ils devaient travailler hein, sans doute. Hein. Ou ils se baladaient, peut-être qu'avant à l'époque ça n'existait pas les vignes. Mais je crois pas trop, hein. À mon avis. Ils devaient bosser. 20 centimes d'euros.
c'est un nouveau bouton de Marines qui est un peu petit celui-là, mais aussi beau. Voilà sur ce pour les petites découvertes d'aujourd'hui dans ce bel endroit, grâce au propriétaire que j'ai remercié beaucoup et que je vais y faire voir. Hein. J'ai déjà fait voir un bouton tout à l'heure, donc je vais faire voir le reste. Hein. Bon, pas ça, hein. C'est un peu nul. Ok, donc je vous dis à la prochaine sortie de détection et en tout cas, merci de regarder la chaîne Détect 34. Et c'est aussi l'aventure, hein, faut pas oublier. C'est pas que de la détection non plus. De temps en temps, un petit peu de nature, paysage et tout. Tralala, ça fait du bien. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Les petits pouces, les petits commentaires. Et les petits coucou. Allez, à plus tard les amis. Ciao, à la prochaine.